Frères et sœurs et amis bien-aimés, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et tout de suite, je vous le dis, Jésus-Christ est aussi notre espérance. Aujourd'hui, la réflexion du jour se trouve dans le psaume 130. Et je lis, c'est un cantique, un chant de délivrance, un chant d'espérance. Du fond de l'abîme, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Parole du Seigneur. Donc, comme je vous ai dit, la réflexion se trouve dans le psaume 130. Espérance de l'intervention de l'Éternel. Espérance de l'intervention de l'Éternel. Les médecins et les psychologues, unanimement, s'accordent pour dire que l'espérance est vitale à la santé physique et mentale de tout être humain. Quelqu'un a dit, un monde sans espoir est un monde irrespirable. Et vous connaissez très bien le dicton, l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. En fait, des recherches ont démontré qu'une attitude axée sur l'espoir peut conduire à des changements physiologiques susceptibles d'améliorer le système immunitaire qui permet au corps de se défendre contre les maladies. Luther, un des réformateurs, a dit, tout ce qui est dans le monde est fait en espérance sur la base de l'espoir. L'espérance est l'une des trois vertus théologiques. Trois vertus théologiques. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 13. Le psaume 130 nous présente un pèlerin qui est en danger et là, il appelle à l'aide l'Éternel pour le secourir. 4 points à développer. Le cri d'un cœur désespéré. Un pardon total et assuré. Une espérance complète et entière en l'Éternel. Une exhortation à tous les croyants. Le premier point, le cri d'un cœur désespéré. Du fond de l'abîme, c'est une expression qui évoque une grande détresse. Au fond de cette grande détresse, dans les profondeurs de sa souffrance, le psalmiste ouvre son cœur en invoquant Dieu.
l'Éternel. Pour lui, il n'y a pas d'autre solution que de regarder en haut. Il attend la promesse de Dieu, l'intervention divine. Dans nos difficultés, chers internautes, dans nos pires adversités, la solution est de regarder en haut, vers l'Éternel, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Peut-être vous vous trouvez jusqu'au fond d'un trou, avec des problèmes par-dessus la tête. Ne soyez pas découragés. La bonne nouvelle, c'est que maintenant même, notre Seigneur Jésus intercède pour vous. Lazare était dans un trou et Jésus avait dit un mot en sa faveur. Le vœu de mon cœur pour vous, c'est qu'un jour ou l'autre, que Jésus dise par sa grâce un mot à votre égard. Ce n'est pas parce que nous traversons un temps d'épreuve que nous devons perdre l'espoir. En pleine angoisse, en pleine souffrance, ne perdons jamais l'espoir. En pleine angoisse, ne perdons jamais l'espoir. Quand nous traversons des moments difficiles, il faut espérer encore et encore plus dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu, ou bien est le Dieu de grande délivrance. Il peut opérer dans nos problèmes. Notre Dieu peut opérer dans nos problèmes. Le Tout-Puissant doit être toujours notre espérance. Écoutez bien, s'il vous plaît. C'est David. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Psaume 25 et verset 5. Notre espérance est aussi le Seigneur Jésus. Et je vous l'avais dit, hein? Notre espérance est aussi le Seigneur Jésus. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre du Seigneur, par ordre de Dieu, notre Sauveur et de Jésus-Christ, notre espérance. Et de Jésus-Christ, notre espérance. Notre espérance est Jésus. Jésus est notre espérance. 1 Timothée 1, verset 1er. L'unique espoir de l'humanité, c'est Jésus. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Le seul endroit, l'unique endroit dans l'Ancien Testament qui contient cette expression, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications, se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 6 et le verset 40. Salomon a fait cette prière lors de la dédicace du temple. Le genre humain, créature d'espoir, pourtant, il se concentre, il se focalise sur le désespoir. Et je dois vous dire, l'idée maîtresse de ce psaume, c'est que nous devons toujours et toujours espérer en l'Éternel. Le deuxième point, un pardon total est assuré. Versets 3 et 4. Notre pardon est assuré. En hébreu, c'est un pardon total et assuré. Dieu ne garde pas le souvenir de nos fautes, mais il nous a fait grâce. Il nous a pardonné. Le pardon est l'une des plus grandes bénédictions du chrétien. Sans pardon, nous serions toujours séparés, très loin du Dieu très saint, bannis de son ciel et
de toute sa gloire. Qui pourrait subsister? Littéralement, en hébreu, ça veut dire subsister, c'est tenir debout. Si Dieu gardait le souvenir de nos péchés, s'il ne me pardonnait pas, je ne pourrais pas me tenir debout pour annoncer sa parole. Vous êtes assis, je ne sais pas quelle est votre position, mais quelle que soit votre posture, c'est que Dieu vous a pardonné. Oui, si Dieu nous punissait comme nous le méritions, qui pourrait rester debout devant lui et devant la vie? Mais le pardon se trouve auprès de lui, afin qu'on le craigne. C'est ça que le texte dit. Une crainte respectueuse. C'est-à-dire donc avoir du respect pour Dieu. Dieu nous pardonne pour ne pas patauger dans le péché, mais pour vivre une vie nouvelle en Christ par la puissance du Saint-Esprit. Le pardon devrait amener à la véritable adoration, à la révérence à Dieu. Troisième point, une espérance personnelle et entière en l'Éternel. Personnellement, le psalmiste espère en l'Éternel. Il a choisi d'espérer en l'Éternel. Chers internautes, bien-aimés, certaines fois, dans la vie, un choix s'impose. Josué avait choisi et sa maison de servir l'Éternel. Mon frère, ma sœur, le choix est devant toi. Choisis aujourd'hui en qui ou en quoi tu veux espérer. La Bible dit clairement de ne pas mettre notre espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions. Toutes choses au pluriel. 1 Timothée 6, verset 17. Mon âme espère de toute son âme, de tout son être, de manière holistique. Le psalmiste espère en l'Éternel. Ô peuple de Dieu, que toutes les fibres de notre être espèrent en l'Éternel. Une espérance totale. Et j'attends sa promesse. Frères et sœurs bien-aimés, les étoiles peuvent se consumer et les montagnes s'écoulent, mais Dieu est fidèle. Ses promesses sont certaines et véritables pour ceux qui espèrent en lui. Non, 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 ne périrons jamais. Non, 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 ne faillirons jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. De toute évidence, il y a un avenir, un lendemain meilleur pour ceux qui attendent l'Éternel et qui placent leur confiance en ses promesses. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. C'est sûr que Dieu, à cause de sa compassion, à cause de sa bonté, à cause de sa bonne grâce souveraine, va venir nous délivrer. Quand un garde veille pendant la nuit, il attend le matin. Une attente confiante. Une attente confiante. Il est convaincu, ce garde, il est convaincu que le matin va venir. Il n'a aucun doute. Et justement, l'aurore arrive toujours. Le verbe « yaral », espérer,
signifie aussi attendre. Les gardes attendent quelque chose. Ils anticipent à voir le matin. Et on peut comparer cette image à quelqu'un qui est submergé dans des problèmes, qui demande à Dieu et attend son secours. Plus que les gardes ne comptent sur le matin, le psalmiste est plus convaincu, plus persuadé. Et là, est-ce que vous êtes avec moi? L'espérance est une disposition de l'âme à se persuader que ce qu'elle désire adviendra sans faute. Je reprends. L'espérance est une disposition de l'âme à se persuader que ce qu'elle désire adviendra, ou si vous voulez, arrivera sans faute. Chers internautes, ça vaut la peine d'espérer en l'Éternel, car la délivrance est incontestable, 100% garantie. Écoutez bien cela. Il existe un lien serré, tricoté et indissoluble dans l'espérance et la foi. Entre l'espérance et la foi, il y a un lien serré, tricoté et indissoluble. La foi, ou si vous voulez, la vraie foi, débouche toujours sur l'espérance. Quel verset? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Dieu de l'espérance dans la foi. La foi et l'espérance marchent ensemble. Même lorsqu'il semble impossible d'espérer, nous sommes encouragés, nous sommes exhortés de garder la foi, car notre Dieu est un Dieu qui peut rendre l'impossible possible. Il est capable d'accomplir des miracles extraordinaires. Une personne d'espérance, la personne qui a vraiment une espérance, est celle qui voit le succès là où les autres voient l'échec. Elle voit le soleil qui brille là où les autres voient des ténèbres et des orages. Ça, ce n'est pas Lionel qui a dit ça. C'est Descartes, le philosophe Descartes. Quatrième point, une exhortation solide à tous les croyants. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Une exhortation à l'Église entière, l'Église de Jésus-Christ. Le pèlerin nous exhorte à investir confiance et espérance en l'Éternel. Au verset 5, personnellement, le psalmiste espère en l'Éternel. Mais au verset 7, en cherchant Dieu avec avidité, il invite tout le peuple d'Israël entier à se confier, à espérer en l'Éternel. Et là, le psalmiste, ayant constaté par lui-même combien Dieu est fidèle après l'exaucement de sa requête de délivrance, il veut que d'autres personnes, d'autres chrétiens, fassent la même expérience que lui, laquelle d'espérer toujours en l'Éternel. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. David, psaume 27, verset 14. Deux fois dans le même verset, David nous stimule énergiquement à espérer en l'Éternel. L'espérance en l'Éternel et en Christ est la meilleure des espérances. C'est l'espérance des espérances, car elle est comme une ancre de l'âme sûre et solide. Hébreux 6, verset 19. Une ancre
de l'âme, sûr et solide. Je suis né dans l'île de la Gonâve. Une ancre plantée dans la mer empêche le bâtiment d'aller à la dérive. La miséricorde est auprès de lui. La miséricorde est auprès de Dieu. Cette miséricorde est immuable, constante. Elle dure à toujours. Nous devons espérer en l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Ça, c'est le psaume 136, verset 26. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Car sa recède dure à toujours. Recède. Ce vocable veut dire bonté, compassion, bienveillance, amour, fidélité et la grâce indéfectible de l'Éternel envers nous. Dure à toujours. Pas une heure de temps, pas un mois, pas une journée, pas une année, mais à toujours, envers ceux qui espèrent en lui, en Dieu. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Encore là, c'est le même mot, recède. Il faut espérer en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Psaume 131 et le verset 3. Écoutez, vos amis, vos collègues de travail, votre mari peuvent vous tromper, mais Dieu ne vous trompera jamais. Si vous placez votre espérance en Dieu, vous ne serez jamais déçu. Que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. 1 Pierre 2, verset 21b. Pas sur votre fiancé ou sur d'autres choses, mais sur le Dieu vivant, réel et vrai. Ô peuple de Dieu, quel soulagement! Il existe un seul moyen pour une âme découragée qui a besoin du soulagement. Quel est ce moyen? C'est d'espérer en l'Éternel. Le psaume 130 a 8 versets. Et le nom de Dieu y apparaît aussi 8 fois. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que nous devons placer toute notre espérance en Dieu et en lui seul. La délivrance est en abondance auprès de Dieu. On peut observer dans le texte, on peut observer l'évolution, le progrès du pèlerin, de la détresse. Il était dans la détresse. Maintenant, il passe à la confiance. Et ensuite, pour toute sa vie, l'espérance. Donc, l'évolution, le progrès du psalmiste, détresse, confiance, espérance en Dieu toute sa vie. Maintenant, résumons. Psaume 130. Espérance de l'intervention de l'Éternel. L'espérance ou l'espoir est un facteur extrêmement important, vital dans la vie de tout être humain. L'absence de l'espérance équivaut à la mort. On constate dans une prison des hommes qui sont apparemment forts, gros et robustes et qui ont perdu tout espoir de libération ont plus de risques de mourir que leurs compagnons qui sont faibles physiquement mais qui sont plus optimistes. Le pèlerin dans ce psaume se retrouve noyé dans un océan de désespoir. Il crie. Le premier point, le cri d'un cœur désespéré. Au secours! Secours, il demande
secours à l'Éternel pour lui venir en aide, comme Bartimée qui avait crié lors du passage de Jésus à Jérusalem. Jésus, aie pitié de moi. Matthieu 10, 46 à 48. À certains moments, nous avons tous été bouleversés, accablés par des tribulations. Deuxième point, un pardon total, assuré et éternel. C'est un pardon total, assuré et éternellement gratuit. Troisième point, une espérance complète et entière en l'Éternel. Il faut toujours et toujours espérer en l'Éternel. Un vieux sage a dit, « Dum spiro spero, j'espère quand bien même je rendrai mon dernier souffle dans l'au-delà. » Pour le croyant, l'espérance est un stimulant à supporter les souffrances du temps présent. L'espoir en Dieu nous aide à endurer les atrocités de cette vie. Quatrième point, une exhortation solide à tous les croyants. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Une espérance joyeuse, peuple de Dieu, chers internautes, dans la profondeur de nos problèmes, levons nos yeux vers le haut, car c'est Dieu qui nous délivrera de toutes nos difficultés. Pour lui, pour Dieu, aucun obstacle n'est insurmontable, aucun dilemme trop compliqué. Pour Dieu, il n'y a rien de compliqué. Merci de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Que Dieu nous bénisse par sa grâce en espérant en lui qu'il en sorte ainsi pour vous et aussi pour moi.